Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau vidéo game test. Alors aujourd'hui, on continue notre avancée dans l'arbre techno allemand et on va tester un avion qui n'a jamais connu la production, qui est le Focke-Wulf 159. Donc c'est un avion qui a été considéré très inférieur au Henkel 112 ou bien au BA 109 de chez Messerschmitt. Donc on le conçoit hein, parce que c'est quand même un avion super léger, donc il est très maniable. Mais malheureusement, il n'est que maniable. En termes de puissance de feu, il a une petite deux machine Gewehr de 7,92 et un canon de 20 mm. Mais sinon, en termes de résistance et même en termes de puissance moteur, ça reste vraiment très 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 limité. Très 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 limité. Donc là, on va essayer de faire une petite partie sur cette nouvelle map que je connais pas. On va voir un peu ce que ça donne en termes de maniabilité. Alors là, pour la puissance de feu, quand on est bien calé sur le FW57, c'est quand même pas mal. Voilà, on va essayer de se faire. En termes de rotation, on est assez rapide quand même. Par contre, en puissance de feu, vous voyez, je suis en boost complet, je suis à 210, quoi. C'est juste atroce, quoi, de pas avancer comme ça. Donc là, on tente une tentative pour se remettre dans l'axe. On va essayer de gagner un peu en vitesse. Si le FW57 redescend après, ça sera très bien. Là, on arrive 232. Bon, je vais essayer de faire celui qui est derrière, qui a l'air d'être un chasseur. Voilà, un petit I-16. On va voir ce que ça donne, même si on ne fait pas le poids, hein. Alors en termes de précision de Gewehr, c'est pas ça non plus. Hein. Alors vous voyez qu'en termes de rotation, on est pas mal. Mais alors on va vite agoniser, je pense, en termes de vitesse. Hein. Vous voyez, on décroche assez facilement. Alors j'essaie d'une rotation vers lui. Non. Donc on va devoir prendre de l'altitude un peu et puis changer un peu le. Voilà, on va se replacer derrière lui. Est-ce que j'arrive à lever mon nez assez vite? Hop, ouais, normalement là ça devrait aller. Voilà, ça c'est bien, ça c'est fait. Il nous en reste donc deux, j'espère survivre jusqu'à la fin, sinon ça s'arrêtera là, malheureusement. Donc là on a quoi? Ah ben voilà, on a un FW 159 là, on va voir ce que ça donne en 1 contre 1. Pour l'instant, j'ai pris feu, donc je pense que si. J'ai quand même pas mal de gens derrière moi et ça s'arrête là avec un S5M, ça m'étonne pas. Donc voilà, c'était la petite vidéo du FW159 qui se finit mal malheureusement. Mais bon, j'espère à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir à tous.